Salut, bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui j'arrive sur mon dernier petit projet. Donc vous voyez, donc vous voyez tout derrière, donc il va se passer pas mal de choses. Et c'est le premier jour, j'arrive, je viens d'amener la mini pelle avec le camion derrière. Hey, salut à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un nouveau projet. Mais déjà, premièrement, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est presque, je crois, non, on est bientôt 3000. Ou je crois, on a dépassé les 3000 abonnés. Donc ça, c'est vraiment ouf. Et ça, c'est vraiment grâce à vous. Merci. Donc je vois que le contenu vous plaît de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui partagent, qui commentent et tout ça. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça me donne encore plus envie de partager avec vous et donc d'améliorer. Parce que au début, le son de mes vidéos, c'était pas top top. Là, j'ai acheté un petit micro, donc j'espère qu'en tout cas la qualité s'améliorera, autant de vidéos que de sons, et que le contenu vous plaira de plus en plus. Donc déjà, voilà, vraiment, ça, je voulais vraiment vous dire merci, et après, d'une part. Et là, donc, tu vois, derrière moi, tous les rochers qu'il y a, voilà, ça va être pour mon nouveau projet. Donc, mon nouveau projet, on va faire un jardin de A à Z. Et vraiment, tu vois, là, ce qui me plaît, c'est que les clients, ils m'ont appelé bien avant, donc pour choisir l'implantation de la piscine, du petit mur, de la pergola, enfin tout. Donc c'est moi qui vais tout gérer de A à Z, et ça me plaît, tu vois. Au moins je peux te dire, parce que des fois de temps en temps j'arrivais sur des projets, genre la piscine a été comme ça, je la voulais comme ça, et ça, il n'y avait pas assez de place, enfin. Et là j'aime vraiment bien, et en plus ce qui me plaît, c'est que les clients, tu vois, ils m'ont appelé, ils m'ont dit oh, on a vu ce que vous faites et tout, c'est vraiment pas mal, vous avez des idées, vous avez de l'originalité, nous c'est ça qui me plaît, on veut pas un jardin comme tout le monde avec un olivier et trois bouts de gazon. Et donc tu vois, ça c'est vraiment bien, les vidéos commencent à se faire un peu connaître, on fait un petit cercle et au moins tu vois, ça montre un peu aux clients ce qu'ils peuvent réaliser, enfin ce qu'on peut réaliser, et du coup ça ils aiment vraiment bien, enfin voilà, tout ça pour te dire un grand merci, c'est tout ça, c'est grâce à vous et j'espère que ça continuera à monter et qu'on sera ensemble pour d'autres vidéos et d'autres séquences, voilà. Donc là tu vois, tous ces rochers, ça va être pour faire un enrochement, tu vois là on est au premier jour du chantier. Et parce qu'en fait, c'est des maisons collées. Et genre entre les deux, on n'a pas voulu faire un mur. D'une, c'était long. Et puis après, il faut crépir. Enfin, puis mur, ça fait mur. Là, moi, je leur ai proposé donc de faire un enrochement entre le voisin et lui. Parce qu'au moins, le voisin d'en bas, donc pour lui, ça fait joli. Pour mon client à moi, donc ça fait rien. Mais au moins, je lui ai proposé de temps en temps de mettre des petites fleurs et tout ça. Pour avoir un joli rendu. Donc au moins, ça fait pas mur bloc, quoi. Et là au moins ça fait sympa, mais tu vois, tous les gros rochers là, je vais en choisir un peu, donc de temps en temps. Et là c'est une couleur un peu beige, ocre, ça va, ça fait joli, c'est pas un blanc, un crème. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut les tailler un peu, on peut casser un peu des arêtes, tout ça, c'est de la pierre un peu friable. Donc c'est pas mal, mais tu vois là, il y a vraiment pas mal de choix quoi. Je vais venir, je vais les choisir, et après j'organiserai mon chantier. Et après donc, tu vois, tout le chantier, donc on va faire installer une piscine. Donc là on a choisi une piscine en coque. Donc d'une pour le budget, pour la rapidité du projet. En plus c'est une moins de 10 mètres carrés, si vraiment vous avez une piscine de moins de 10 mètres carrés à faire, la coque ça se fait très bien, vous n'avez pas de soucis au moins de fluide, d'étanchéité, tout ça. Vous avez juste à la poser, enfin juste, vous avez juste à la mettre en place, et nous on a pris un pisciniste donc dans le coin, et voilà, il a mis, tout s'est bien passé. Et ça fait vraiment un petit rendu. Dommage qu'on n'arrive pas à avoir des nuanciers, des couleurs comme comme la pierre, enfin comme le carrelage. Mais bon, le rendu est quand même assez sympa. Et pour une piscine de moins de 10 mètres carrés, question rapport qualité-prix et qualité. Ouais, enfin, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux quoi. Ça reste accessible et au moins 4 jours après, vous avez votre piscine quoi. Voilà, et après, on va faire ça donc avec des petits gabions. Avec une genre de cascade qui va tomber dedans, une pergola en bois flotté, une terrasse avec un ras de la piscine, un damier, enfin, je vous dis, ça va être sympa. Donc n'oubliez pas, je pense que je vais faire 4-5 épisodes, donc n'oubliez pas, si ça vous plaît, de commenter, et n'oubliez pas de vous abonner surtout, pour suivre la petite aventure, et vous verrez, on va faire 4-5 épisodes, où je vous expliquerai pas mal de choses, mes procédés, et en tout cas, si ça vous plaît...
cliquez sur le petit lien, là abonnez-vous. Et donc du coup, voilà, je te reprends donc au premier jour de chantier. Parce que tu vois, j'ai quelques séquences de la piscine parce que j'ai pas pu être là le jour où ils l'ont livré. Mais sinon, tout s'est bien passé. C'est le client qui a filmé donc 2-3 plans. Ça donc, merci à lui. Au moins, ça fera 2-3 séquences vidéo pour le montage. Et voilà. Et en tout cas, je te reprends tout de suite. Et je te montre, donc on a commencé par les margelles. Tu vas voir l'enrochement, j'ai pas trop non plus filmé parce qu'il y avait pas, c'était pas non plus. Mais en tout cas, tu vas voir. Allez. Sur un nouveau chantier, donc là bon, il n'y a pas grand chose là pour l'instant, mais on va faire un très très beau projet. Donc là je viens de tracer la piscine, et donc là il va avoir une piscine avec, je pense, en face donc un mur en gabion avec une lame d'eau qui va tomber directement dans la piscine. Tout là ça sera habillé en bois. Là on va faire un petit chalet pour le local piscine. Là, tout là, après, ça sera avec des petits pas et tout en sable, un peu une ambiance. Et là-bas, une petite terrasse en bois avec une pergola. Et je pense qu'on va tout envoyer en bois flotté ou je sais pas trop, mais j'aimerais bien trouver un peu des bois tortueux, que ça reste dans le naturel. Et, voilà. Et là, tout là, un terrain de boule. Et là-bas derrière, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et là, le projet principal va se passer tout là. Et de là à là, je vais envoyer tous des carrés de dalles avec du gazon en plein milieu, comme j'ai fait un peu sur la chantier de Bali, mais des plus petits. Genre là-bas, j'avais fait des rectangles. Là, je vais envoyer plein de petits carrés pour faire une allée bien, bien propre, alignée avec la baie vitrée, genre du salon, ça fasse une continuité qui voie l'eau de la piscine. Voilà. Donc tout le projet va se passer ici. Là, le petit local, et là tout là sera habillé en bois et en végétaux un peu partout. Voilà, de toute façon je vous filme tout. N'oubliez pas de cliquer sur le petit lien, abonnez-vous.